La ville espagnole de Valence s'apprête à accueillir l'Aquarius. Bienvenue chez vous, peut-on lire sur cette banderole installée sur le port à quelques heures de l'arrivée des 630 migrants. Un dispositif d'accueil exceptionnel a été mis en place. Plus de 2000 personnes, dont un millier de bénévoles de la Croix-Rouge, seront là pour les recevoir. Les personnes qui vont débarquer de l'Aquarius sont les otages de la politique incongrue et contradictoire des différents États européens. Ne pas respecter le droit à la vie est inacceptable. Les droits humains doivent passer avant toute chose. En Espagne, un grand élan de solidarité s'est exprimé envers les migrants cette semaine, même si certains restent inquiets. On est venu faire un tour ici pour voir comment les choses s'organisent. Pour moi, c'est une bonne décision. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on les accueille. C'est le minimum qu'on puisse faire. C'est une question d'humanité. On n'est pas très bien informé. Enfin si, on sait quand ils vont arriver, mais on ne sait pas où ils seront logés. Quelles dépenses cela va engendrer pour Valence? Est-ce que cela va nous coûter quelque chose à nous, citoyens? Ce sont peut-être de bonnes personnes, mais il y a des différences sociales ici. Après une semaine d'errance en Méditerranée, c'est ici que devrait prendre fin le calvaire des migrants de l'Aquarius. L'Aquarius accostera ici au niveau du quai numéro 1 de ce port avec à son bord 100 mineurs, 80 femmes et 450 hommes. Les autorités ont déclaré avoir fait des répétitions du débarquement pour être sûr que tout se passe bien quand ils arriveront. La priorité sera de s'occuper de la santé des personnes à bord. Cristina Giner, Euronews, Valencia.